Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une haleine automatique, également appelée haleine couvite. Une haleine automatique ou haleine couvite vous servira à réaliser vos coutures à la main au point navette, qui est la méthode utilisée par les machines à coudre. Le manche en bois mesure 6,5 cm pour un diamètre maximum de 3 cm. La longueur totale de l'outil est de 13 cm sans la laine. Il se dévisse afin d'accéder à un compartiment de rangement pour les haleines et la clé de serrage. Il vous sera fourni avec deux haleines ainsi que la petite clé de serrage qui sert également de tournevis. Des canettes de rechange disponibles en 4 couleurs ainsi que des haleines sont en vente sur le site Créacuir. Voici comment procéder au montage de votre haleine automatique. Celle-ci vous sera fournie avec une canette de fil déjà remplie, ainsi que deux haleines de taille différente. La taille des haleines est à choisir en fonction de la grosseur de votre fil. Tout d'abord, dévissez la canette à l'aide du petit tournevis. Ensuite, vous allez passer votre fil à l'intérieur du petit trou. Replacez ensuite la canette. Remettez en place la vis de maintien de cette canette et resserrez à l'aide du petit tournevis. Vous remarquerez que sur la laine, il y a une petite rigole qui sert à caler le fil. Insérez votre haleine dans le trou sur la vis de serrage. Et placez le fil à l'intérieur de la petite rainette. Revissez et assurez-vous que votre fil glisse bien. Passez ensuite le fil à l'intérieur du chat de votre haleine. Voilà, votre outil est prêt à fonctionner. Voici maintenant comment utiliser votre haleine automatique. Au préalable, je vous conseille de tracer votre ligne de couture à l'aide de ce compas à pointe sèche et de marquer vos points à l'aide d'une molette à marquer. Après avoir monté votre haleine automatique, commencez par la rentrer dans le premier point de couture. Une fois celle-ci rentrée, retirez-la légèrement afin de créer une petite boucle. De cette petite boucle, vous tirez le fil afin de le faire sortir. Ensuite, mesurez deux fois la longueur que vous avez à coudre en tirant sur le fil.
ressortez votre haleine. Le fil reste alors à l'intérieur du point de couture. Ensuite, vous allez insérer votre haleine au niveau du deuxième point de couture. Comme tout à l'heure, retirez-le légèrement afin de former une petite boucle. Dans cette boucle, passez le bout du fil. Puis, retirez votre haleine. Enfin, tirez sur les deux fils afin de serrer le nœud. Recommencez l'opération jusqu'à la fin de votre ligne de couture. Voici les résultats une fois la couture terminée. Veillez à bien entrer la laine avec le même angle sur chaque point afin d'obtenir une couture régulière avec le bon angle de point. Cette haleine automatique ou haleine coupe-vite vous permettra de réaliser vos coutures à la main au point navette de manière rapide et sans machine à coudre. Vous pourrez également l'utiliser pour réparer ou coudre des sacs en toile ou même des textiles épais comme des toiles de tente par exemple. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes réalisations.